Bonjour tout le monde, on se retrouve une fois de plus au col de la Bonnette et donc aujourd'hui nous allons faire ce petit bunker. Allez, c'est parti! C'est un peu serré. Alors, donc là on se retrouve sur la pièce. À l'entrée, va se trouver certainement la mitrailleuse. Du coup, c'est un poste de surveillance pour l'entrée. Le passage est barré. Alors, ça descend sec. Des vannes, un boîtier électrique, là ça descend, hop là, ah oui, ok, donc là, vous pouvez voir, c'est de la boue. Je patauge dans la boue, les amis. Donc là, c'est des latrines, comme d'hab. Des WC. Là, pareil. Ah, c'est dégueulasse. J'ai le pied qui reste collé. Donc là, cette pièce, on va les voir. Là, pour vous dire en gros, j'ai les pieds dans une eau qui doit être à 2 degrés, 3 degrés. Donc là, on est sur une pièce vide. Je ne sais pas ce que ça pouvait être. Je sais juste que je suis trempé, ça y est. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, ben, je crois que ça va être parti pour un long chemin trempé. Donc, le fort est rempli de boue. Donc là, on est sur les sanitaires. Alors, ici, on marche peut-être sur les côtés. Comme ça, on va moins s'enfoncer, je pense. Effectivement, c'est efficace. Alors, waouh! Alors là, c'est bon. Donc là, je pense que c'était certainement le groupe électrogène. Moi, ça glisse en plus. Alors. Et des cannes. Sacré moteur quand même. Donc là, ouais, c'était la production d'électricité du bunker. J'ai vu qu'il y avait une pièce de l'autre côté. Alors là, c'est magnifique, les amis. Parce que là, la chaudière du bunker. Ah,
Ça, c'est magnifique. Elle est franchement bien conservée. Parce que je pense qu'elle a un peu presque un siècle. Et dans un milieu sacrément humide. Hein. Et vous voyez qu'il y avait quand même de la bonne fonte à l'époque. Donc là, on est sur un poil. Donc j'irai qu'on est dans les cuisines. Là, c'est l'extraction. Bon. Le poil pour cuisiner. Je vais entendre un sacré bruit de fond. Là, on a le vase d'extension du circuit de chauffage. Et donc la chaudière. On a une petite paillasse. Et là, ça va être le stockage. Donc là, bien sûr, tout ce que je dis, ce sont des suppositions. Hein. Je n'ai pas les plans de second cœur, hein, mais bon, après, c'est par déduction logique. Hein. Hop. Alors, je vais faire un petit cut de deux petites minutes, les amis. Parce que... Ah, pendant que je finis, j'ai eu un petit incident. J'ai ma batterie qui alimente ma cam qui est tombée dans la boue. Puisque les câbles se sont emmêlés. C'est bon, la flotte n'est pas rentrée dedans. Hop là, essayer de la suivre vite fait. Je m'excuse pour ce contretemps et cet incident. On a l'ancienne là. Pour montrer la petite install. Voilà, je reprends le relais. Allez, c'est parti. Alors, continue dans la boue. Je veux qu'il y ait des petites planches, on va s'en servir. Alors, on a une pièce ici, donc là, c'est les citernes d'eau, c'est un réservoir monstrueux. Encore une pièce par ici. Ah oui, il est quand même balèze. Quand même balèze à ce fort. Il est énorme en fait. Je ne pensais pas qu'il était aussi grand. Parce que de dehors, on voit juste deux petits casemates avec les mitrailleuses. Donc là, on est sur les chambres. Et ces radiateurs en fonte, pareil, ils sont super bien conservés. On a ici les lits. Est-ce que je peux mettre mon renfort avec la lampe? Merci. Donc là, c'est immense, les amis. C'est immense. Je pense que ça va s'entendre à l'écho. La résonance de mes propres poils vient de me faire flipper. Je pensais qu'il y avait une derrière. On va continuer d'avancer. Alors là, c'est énorme parce que il y a énormément de lits. Et là, je suis surpris parce que je le voyais pas aussi grand là, sur mon cœur. Et je pensais pas qu'il y avait autant d'hommes là, à l'intérieur. Donc là, je ne sais pas ce que c'est pour mettre cette pièce. Je suis qu'un radiateur qui a été démonté.
Là, il y a une broche électrique. Là, c'est une pièce, je ne sais pas ce que ça pouvait être. Alors là, ça remonte. Donc là, par contre, je pense qu'on va sur le cabinet qui est là à côté. Petite pièce. Là, ça monte. Donc oui, c'est ça, bigot. Donc là, on est sur le casemate de l'autre côté. Là, on est sur l'entrée. Là, il faut faire attention. Là, je me suis accroché. Regardez. Un petit peu de bêtise sur la tourelle de ce casemate. Là, par contre, je ne peux pas accéder ainsi par l'échelle. On va redescendre. Donc, là, j'ai vu que ça continuait. Et non, ça s'arrête là. Il y a un autre, donc ça va simplement au casemate. Ok. Alors donc, la grosse chambre sépare les deux casemates. Là on est déjà rentré, je vais même le panier. J'essaie de vous montrer un global pour montrer la profondeur des chambres. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Je pensais pas qu'il y avait autant d'hommes là-dedans, quoi. Je m'attendais à un truc une dizaine d'hommes, mais là, au nombre de lits, je dirais qu'on est sur une bonne cinquantaine d'hommes. J'essaie de faire attention que le sol est très glissant. Hop là. Je vous avoue les amis que si je dois partir en courant parce que quoi que ce soit, je pars en ski là. Allez. On va continuer. Et donc là on est en train de traverser la montagne. Laquelle est devant notre véhicule. Donc là on est sur une pièce. Je sais pas ce que ça pouvait être, la porte classique, pas spécialement blindée, donc pareil.
se mettre une moto, ça fait flipper. Donc là, par contre, vous voyez les amis, on arrive sur une porte sacrément blindée. Alors quand vous avez ça dans des bunkers, hein, ce que j'ai culotté, ça sépare les salles de tir. Je pense que c'était en cas de prise de fort, le canon ou la mitrailleuse ne pouvait pas être prise de fuite. Donc là, ça pratiquement, hein, puisque c'est pas blindé, puis celle-ci. Donc là, ça veut dire qu'on va... On va aller sur une salle de tir, donc soit équipé d'un canon, soit de mitrailleuse. Donc là, on a les turbines d'air. Et là, j'ai l'impression que la température est plus élevée. Alors, donc, on a défilé avec une pièce. Et un autre. Donc, on va les monter. Ok. Donc on est bien sur la salle de tir. Comme d'hab, j'ai mon sac à dos qui me bloque. Alors, donc là, on est de l'autre côté, donc la montagne. Une salle de tir classique. Superbe vue, ceci étant dit. Alors, donc, en face, je crois que c'est l'ouvrage des granges communes. Alors là, on a une belle, tourelle, on va dire. Là, je vais poser mon éclairage puisque là où j'en ai pas besoin. Alors, regardez ça les amis. Ça on va se la faire. Bon, toute petite, hein, je pense qu'elle est un peu comme les autres, mais je vais voir le point de vue qui est défendu. Les gueules de mes chaussures, c'est ignoble. Mais bon, ça fait partie du taf. Donc là, le fameux tabouret avec la poulie. Bon, celle-ci, par contre, elle fonctionne plus. Hein. Ça, je crois que c'est le mât sur lequel coulissait le plateau. Enfin, le centreur. C'est sportif. Hein. Pied qui glisse. Alors, voilà la vue qu'on a depuis cette tourelle. Alors, je ne sais pas de quoi elle était équipée, par contre. Je ne sais pas s'il y avait un canon, une mitrailleuse. Je vois qu'il y a des petites lucarnes. Pour elle. C'est de s'asseoir. Si ça tient. Voilà. Donc là on est
arrive dans cette tourelle, c'est là que passer. Les tireurs passaient des heures, quoi, à scruter pour défendre. Et la cape de binôme. On va redescendre. Parce que j'ai pris 2-3 pètes à la tête. Ah. Donc Yann il sort qui est venu ici en 2004. À deux, apparemment, Gilles et Luc. Bon, voilà. Ça fait plaisir. Côté. La carte n'est pas assez grosse pour qu'on puisse sortir, donc on ira faire un petit tour par l'extérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va redescendre. C'est toujours dur parce que quand on est dans un cas d'exploration comme ça et qu'on filme, on est toujours à une main pour descendre les échelles. On fait comme on peut en s'appuyant avec le dos ou simplement la force d'un bras. Bon, bien là, je pense qu'on a tout fait. Donc les amis, je vais vous épargner le retour, parce qu'on vient de le voir. Et donc on se retrouve à l'extérieur pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble de l'autre côté. Et voilà les amis, on se retrouve donc à l'extérieur du bunker. Et je vais vous montrer la dernière pièce qu'on a fait, la tourelle. Alors déjà, on va avoir un aperçu sur le décor qui est carrément magnifique. Et là, cette tourelle dans laquelle on était. Alors là, c'est un peu accidenté. Alors, les deux lucarnes à deux tirs, la toute petite et la grosse, et je pense qu'il devait avoir peut-être vu l'exposition, je dirais un mortier, un petit canon quoi. Et on retrouve un fossé, et vous avez un peu plus loin l'écoulement, pour ne pas qu'il se retrouve rempli d'eau en cas de pluie.
j'en perds la mémoire. Et là, on a une inscription. AP0033. Donc, je sais pas à quoi ça correspond. Alors, il y a... Ou alors très peu, mais je n'y vois pas. Je ne vois pas d'impact sur cette cloche. Ah si, 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 j'ai quelques-uns. Il y en a quand même quelques-uns. Oui, 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 j'ai parlé trop vite. Il y a quelques-uns qui sont assez prononcés. Alors ce que j'aime bien quand je vois les impacts, c'est d'essayer de repérer l'angle de tir. Et certains, on dirait que certains viennent par l'eau, donc je ne sais pas si c'est l'aviation ou au vu du peu de nombre de balles et de la du diamètre de l'impact, c'est peut-être des snipers à qui à ce moment-là, vu l'angle, devaient se trouver par là-bas. Donc certainement des Italiens qui auraient réussi à percer. Là-bas, c'est l'Italie, tout ça. Vous me reprenez hein, si je dis des bêtises dans les commentaires, mais pour moi, c'est l'Italie là-bas. Cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de partager. Merci beaucoup, tchou tchouss.